viens d'installer les prolongateurs qui vont me permettre d'avoir mon alimentation électrique et de pouvoir déplacer ma batterie sans aucun problème, tout en la gardant branchée. Les programmateurs sont branchés sur les prolongateurs. Et là, je vais brancher sur le programmateur mes multiprises, bien évidemment, qui vont actionner les éclairages et les chauffages. Donc voilà, je les ai mis à l'heure. Tout est branché, c'est parfait. Ouh, il est déjà star, il faut que j'y aille. Je suis en train d'installer donc tous les porte-lampes dans les emplacements réservés à cet effet, ce qui permet de les protéger car les varans peuvent vraiment casser les lampes facilement et se blesser, se brûler. Donc on fait toujours attention à bien écarter les fils des sources de chaleur. Donc là, c'est du gros fil, hein. C'est des porte-lampes de très bonne qualité avec du Solar Raptor, avec du gros câble en silicone. Donc voilà, parce qu'avec le temps, avec la chaleur, ça peut éventuellement craqueler le caoutchouc et créer des courts-circuits. Donc toujours faites bien attention à bien faire cuire vos fils en dehors des parties chaudes pour pas que ça touche. On a installé le néon, la barre LED. Tout est prêt à être branché. Bien sûr, j'ai vérifié que mes lampes fonctionnent avant de tout remettre en place. Donc là, je vais installer mes spots chauffants. Toujours bien vérifier que ça fonctionne. J'utilise de préférence des halogènes qui ont un bon rendement au niveau du chauffage. C'est-à-dire qu'à l'équivalent de puissance pour 50 watts, par exemple, ils vont chauffer plus fort qu'une lampe à filament classique de 50 watts, avec un angle de diffusion qui est de plus de 120 degrés, donc qui est vraiment très bien. En plus, c'est une durée de vie qui est assez bonne, entre 6 mois, 1 an, et ça chauffe bien. Donc voilà, j'installe mes porte-lampes dans l'emplacement et je vais en mettre deux. Donc testez bien vos porte-lampes et vos lampes avant de les installer, hein. Il faut ne pas avoir tout à déplacer. Là, l'intérêt, c'est plutôt que de mettre une seule lampe très puissante, je vais mettre deux lampes un peu moins puissante, des 50 watts par exemple, et séparer d'à peu près une trentaine de centimètres pour pouvoir faire, comme c'est un gros varan, pour pouvoir faire une grosse surface de chauffe. C'est mieux de mettre plusieurs petits spots qu'un seul gros spot, ça peut créer des brûlures parce que le rayon d'infrarouge va être trop concentré au même endroit. Alors ça y est, les terrariums sont prêts. L'éclairage et le chauffage est installé, donc là j'ai mis le substrat, j'en ai mis une partie pour vous raccourcir un peu le temps d'action. Pour ce terrarium, comme ce type de varan est assez salissant, hein, il aime l'eau, il met de l'eau partout, il fait des urines assez importantes comme il boit beaucoup, il fallait un substrat qui résiste bien à l'humidité et qui soit très absorbant pour absorber les urines et les excréments. Bien sûr qu'ils sont enlevés régulièrement, c'est très facile de faire du spot cleaning. Donc je choisis l'éclat de coco, donc c'est de la noix de coco concassée. C'est franchement ces dernières années le substrat que j'utilise pour tous mes reptiles tropicaux et même éventuellement des reptiles qui ne le sont pas, des reptiles de climat plus tempéré. Parce que j'adore ce substrat, déjà esthétiquement je trouve que c'est vraiment génial. Les gros points positifs, c'est qu'il ne pourrit jamais, vous pouvez le détremper quotidiennement, ce qui n'est pas forcément nécessaire, mais vous pouvez le faire, vous n'aurez jamais un champignon, rien du tout, c'est un pH très acide, et en fait ça ne moisit pas, ça ne pourrit pas. Surtout, c'est extrêmement absorbant, ça fait comme des milliers de petites éponges en fait, et ça absorbe les urines, donc on a beaucoup moins d'odeur. C'est-à-dire que des gros varans comme ça, quand ils urinent, si le substrat n'est pas adapté, ça va sentir fort l'urine dans votre pièce et c'est pas bon pour lui puisqu'il est enfermé dans ses odeurs d'urine et tout. Donc c'est important d'avoir un substrat adapté. Et vous voyez, je peux en étaler vraiment partout dans le terrarium. Voilà, lui faire une bonne épaisseur. La nuit, il s'enfuit dedans pour dormir. C'est vraiment un substrat excellent qui est économique parce que ça ne vaut pas une fortune. Donc ça y est, mon substrat est installé. Donc la deuxième étape, donc à chaque fois que je nettoie mes terrariums et que je mets du substrat, maintenant systématiquement, je vais mettre ce produit, du torus, dans le substrat. Alors qu'est-ce que c'est que le torus? C'est un produit qui a été créé en France. Donc c'est pas vraiment un produit, c'est plutôt des animaux puisque c'est des acariens qui mangent les acariens des reptiles. Donc il y a un acarien qui est bien connu dans l'élevage des reptiles qui s'appelle Ophionicus natricis, qui est l'acarien du serpent, mais qui peut aussi aller sur certaines espèces de lézards comme par exemple les pogonas ou les varans. Donc c'est pour ça que comme dans la pièce, je vais avoir
Tupac et un varan, bien sûr, et d'autres serpents. Je vais ensemencer le substrat avec le taurus, et de manière à faire de la prévention, comme ça, il y aura tous ces petits prédateurs qui seront dans le substrat, et si jamais je ramène des acariens sur mes vêtements, sur un de mes animaux, comme ça, ça m'évitera d'avoir une infestation, et donc je le fais systématiquement quand je mets du nouveau substrat et quand je nettoie mes terrariums. Donc depuis que je fais ça, j'ai plus du tout eu de grosses invasions d'acariens comme j'ai pu en avoir à l'époque et que malheureusement tous les éleveurs de reptiles et notamment de bovidés ou d'aridés ont malheureusement connu. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc en fait, vous avez un substrat à l'intérieur de la boîte et si vous regardez les petits points, ils vont tous se mettre à bouger à un moment. Là, ici, ça bouge, par exemple. Voilà, ces tout petits organismes. Ça, ce sont des acariens prédateurs de l'acarien Ophionissus natricis. Là, vous voyez, ça bouge, il faut avoir des bons yeux. On va prendre un gobelet d'ose et on va épandre le taurus dans le substrat. Cette préparation, c'est très important de bien la mélanger au substrat. Il ne faut pas laisser de gros amas de mélange comme ça. Donc au début, on peut en mettre bien sûr en amas et après, je vais systématiquement le mélanger avec mon substrat. Voilà, et grâce à ça, c'est complètement bio. Il n'y a plus de problème comme il y avait avant avec les produits chimiques de toxicité sur les reptiles et même pour nous, hein, puisque tous les acaricides, les produits qui servent à tuer les acariens, sont vraiment toxiques, y compris pour les êtres humains. Donc, grâce à cette solution bio, il n'y a plus aucun problème, ni pour les animaux, ni pour les soigneurs. Je vais mélanger la préparation du taurus au substrat pour enlever tous les amas de manière à ce qu'il n'y ait plus rien qui apparaisse et que tout soit bien mélangé au substrat. Après, c'est sûr que Tupac fera le reste parce qu'il adore gratter dans le substrat. Et voilà, c'est bon. Donc voilà, j'ai fini d'installer mon substrat, j'ai mis le taurus, l'anti-acarien dans le substrat. Donc maintenant, je vais aménager le terrarium avec des surfaces de grimpe, donc des accessoires qui vont permettre à Tupac de grimper sur les plateformes de chauffe, etc. Donc bah, moi, bien sûr, comme vous pouvez le constater, en fait, en terrariophilie, il y a deux écoles. L'école de ceux qui font des terrariums imitation naturelle. Et puis l'autre école, celle que j'ai choisie depuis toujours en captivité, c'est de refaire un environnement artificiel, puisqu'on est en captivité, avec des accessoires qui permettent de répondre aux besoins de l'animal, mais qui vont être adaptés à la captivité, sont faciles à nettoyer, tout ça. Attention. J'ai des amis qui ont des installations magnifiques avec des terrariums naturels, hyper bien décorés, et je trouve ça superbe. Moi, c'est pas mon école. Je suis plutôt vraiment attaché à l'animal et à ses besoins spécifiques, en pensant toujours à la facilité de nettoyage à partir du moment où tout est adapté pour lui. Donc c'est pour ça que je choisis souvent dans les installations d'utiliser des plateformes en bois autoclave comme ça. Donc ça, c'est un bois qui est fait pour aller à l'extérieur, qui est traité. Donc il est résistant pour les griffes des animaux, il résiste à l'humidité, ça vaut pas très cher, donc dès qu'il est usé, on peut le changer, mais bon, ça tient vraiment le coup. Donc en fait, je vais m'en servir pour augmenter les plateformes pour que l'animal puisse monter et s'exposer sous les UV ici. Voilà, qui puisse s'exposer vraiment sous les rayons UV. Donc le néon UV est là-bas, hein, donc c'est un Arcadia T5 en 14%. Donc là, j'ai un indice UV à peu près de 2,5, ce qui est très bien. Et ici, il y a les LED. Et donc, bien sûr, je vais lui mettre une plateforme qui va lui permettre de grimper, bien qu'il puisse le faire en se levant, puisque c'est un gros lézard.
Donc voilà, après il faut tout bien sécuriser pour pas que ça puisse bouger, parce que c'est vrai que c'est des bulldozers, hein. C'est varan, donc je vais tout sécuriser. En fait, un varan qui grimpe sur une barrière en bois autoclave ou un tronc en liège, ou pour lui c'est la même chose. Il y a plein de varans d'ailleurs en Asie qui vivent dans les villes. Donc en fait, c'est pas impératif d'avoir un environnement qui soit la réplique de la nature. Donc par contre, si vous arrivez à le faire, et ça va être plus pour vous que pour lui en tout cas, et vous pourrez vraiment vous faire plaisir. Il y a des magnifiques installations qui existent, comme par exemple chez Mike Reptile Park. Alors quand il s'agit de loger en captivité des lézards de grande taille, on a différentes options. Évidemment, il n'y a rien qui existe réellement dans le commerce. Donc une option, la première option qu'on peut avoir, c'est de fabriquer un terrarium sur mesure de type un peu zoo, comme ça, type demi-pièce. Donc on va vraiment faire du parement sur les murs créer un système de porte avec une grande surface vitrée, etc. Donc c'est un coût important. C'est du dur, donc il va y avoir de l'investissement, et c'est pas quelque chose qu'on peut modifier si vous êtes en location ou si vous n'êtes pas sûr de garder cette espèce à cet endroit-là. Donc on va dire que là c'est une solution qui est très jolie, qui est vraiment esthétique, mais qui est un petit peu voilà fixée dans un lieu et avec un investissement qui est important. Et si vous devez bouger, ben évidemment il faut tout détruire, donc c'est assez dommage. Donc c'est une option qui est valable. Vous devez faire dans votre maison un terrarium de très grande taille pour un grand lézard, vous savez que vous allez avoir cette espèce ou une espèce relative pendant de longs moments. Donc l'option qu'on peut avoir avec les terrariums AirTech, c'est de construire des modules custom qui permettent de faire des grands terrariums, mais qui sont facilement modulables et déplaçables si vous devez changer de lieu. Comme vous le savez, un animal de la taille de Tupac, donc un gros varan, ça a vraiment beaucoup de force et tout ça, donc il faut vraiment tout sécuriser. Donc en fait, je vais simplement mettre une ou deux petites vis de manière à sécuriser la plateforme. Et si j'ai besoin de l'enlever, je peux très facilement dévisser la vis. C'est ça qui est pratique avec le plastique, en fait, avec le polyéthylène, c'est que ça se travaille comme du bois. Vous voyez, et là, c'est absolument imbougeable. Je pourrais pas. Et en fait, j'ai mis juste une vis. Donc, c'est ça qui est vraiment hyper cool avec les terrariums AirTech, c'est qu'on peut les customiser comme du bois, sauf qu'on a tous les avantages de quelque chose qui est complètement imputrescible, léger et complètement étanche, hyper durable, hyper facile à nettoyer. Bosch et Tupac, du travail de pro. Voilà, ça y est, on a été chercher Tupac et on va pouvoir enfin lui faire découvrir sa nouvelle maison. Yeah, call the cops when you see Tupac. Alors, il a vachement l'habitude de voyager dans des boîtes parce que... Hello, hello. Depuis tout petit, on l'habitue, en fait. Hello. À rentrer dans une boîte, donc ça le traumatise pas. Viens, mon pépère. Hello. C'est une nouvelle maison. Hop. Voilà, alors ça va être cool de le voir découvrir son nouvel environnement. Alors ça qui est sympa avec ce type de... l'installation, c'est que vraiment, ça lui fait un peu comme un labyrinthe et tout. Il peut monter, descendre, changer de caisson. Et pour des animaux qui aiment bien avoir un environnement enrichi comme ça, c'est super. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir le laisser aller dans la pièce qui est sécurisée. Et comme vous pouvez le voir, on a une super fenêtre. Donc, il peut avoir accès à la lumière du soleil. Et ça, il kiffe à mort se mettre dans les rayons du soleil. Et en fait, après, l'idée... dans un deuxième temps, ça je vous ferai une autre vidéo pour ça,
On va construire un enclos juste là, sur la terrasse qui donne sur cette fenêtre. Et il pourra sortir les beaux mois, quand il y a une belle journée ensoleillée, on pourra le laisser sortir sur cette terrasse qui sera sécurisée. Donc là, c'est bon, il est parti faire son tour. Hello. Hello. Ça va? Il est complètement cool, hein. Il est super imprégné puisque bah, on l'a depuis, depuis qu'il est bébé. Il est né en 2017. Et donc là, voilà, ça lui fait une belle et grande demeure. Et bien sûr, il va pouvoir avoir accès à la pièce parce qu'en fait, le terrarium, c'est uniquement pour se chauffer, rester en sécurité, dormir. Mais on fait beaucoup d'interactions avec lui. Donc là, il a accès à plusieurs surfaces de chauffe. Donc en bas, ici, il y a deux spots chauffants protégés. C'est ça qui est cool, le fait de pouvoir empiler deux AirTech comme ça. Donc on a des spots sur le bas qui lui permettent d'avoir une surface de chauffe en bas. Et il chauffe le dessous de cette plateforme et la plateforme du haut. Du coup, comme on a découpé le AirTech au milieu, il y a à nouveau deux spots au-dessus qui chauffent la plateforme et qui est aussi chauffée par le dessous. Donc là, ça fait vraiment une super plateforme de chauffe. Donc il peut vraiment chauffer très vite. Parce que bah, comme vous le savez peut-être, les varans ont une température, une TPM, une température moyenne préférentielle qui est vraiment assez élevée pour un reptile, donc de l'ordre de 36 pour la plupart des espèces. Et c'est pour ça qu'ils peuvent être aussi vifs et soutenir des efforts plus longtemps que certains reptiles. Mais en fait, pour atteindre cette température, ils ont besoin de se chauffer relativement vite. Donc si on met un point chaud un peu faiblard, Ils ont du mal à atteindre cette température rapidement, il leur faut plus de temps, et notamment quand c'est des gros spécimens comme Tupac. Donc plus un reptile est gros, plus il met du temps à chauffer. Après, plus il met du temps à refroidir aussi, quoi. Et donc, la jonction des deux terrariums, qui est en triangle, lui permet d'avoir une zone qui est à la fois plus fraîche et moins éclairée. Donc c'est vraiment exactement ce qu'il va avoir dans la nature. Il peut vraiment se thermoréguler, quoi. C'est des vrais thermorégulateurs, les varans. Donc voilà, après évidemment, l'ambiance de la pièce est relativement chaude puisqu'il y a aussi d'autres terrariums et tout ça. C'est une pièce qui est bien exposée. Donc je pense qu'il va vraiment kiffer. Et donc au fur et à mesure, on vous fera plus de vidéos dans cet environnement avec tous les enrichissements qu'on fait, le training, etc. Donc là, par exemple, il utilise la plateforme du haut. On voit, il est bien en train de se chauffer sous les lampes. Donc, c'est pour ça que j'utilise toujours deux ou trois spots pour faire une grande surface de chauffe, pas trop violente. Vous voyez, il apprécie vraiment ça. Et là, il est tout écarté. Donc, après s'être baladé dans le terrarium, là, il est en train de se chauffer super bien.